Monsieur Anselme, je voulais vous poser une question qui me tracasse car j'ai mon père qui est juif et ma mère musulmane non pratiquante. J'ai été Brit Mila, et j'ai fait ma Brit Mila, mes 7 jours, puis pratique le judaïsme. Jusqu'aujourd'hui, je me demande si je dois aller en yeshiva, car c'est mon souhait, n'étant pas reconnu comme juif. Je me demande si je pourrais l'intégrer. Autrement dit, sa mère n'est pas juive, son père est juif, il n'est pas juif, et il voudrait aller en yeshiva. Réponse. Si vous voulez être un juif, que Dieu vous bénisse, le portique est ouvert, alors allez en yeshiva, étudiez la Torah, dites-leur la vérité, vous serez accepté les bras ouverts, vous étudierez la Torah, et vous pourrez vous convertir, et vous deviendrez un juif de valeur et de qualité comme tous les juifs sur terre, et même encore plus. Mais si vous voulez rester un non-juif, c'est autorisé. C'est possible. La félicité est éternelle et n'est pas réservée aux juifs. Les portes du ciel sont ouvertes également aux hommes droits et probes de toutes les nations. Vous pouvez être un non-juif, ce que nos sages appelaient un gentil, et être très gentil. Et vous aurez droit à la félicité éternelle. Et vous pourrez jouir au jardin d'Éden des délices célestes. Mais si vous voulez être juif, aucun problème. Allez donc en yeshiva. Étudiez la Torah. Et quand vous serez prêt à la conversion, vous serez converti. Puis après vous êtes converti. Vous serez un juif comme tout le monde, et personne n'y verra que du feu, il n'y aura aucune différence. Voilà, c'est votre décision. Si vous voulez, on vous tend les bras. Shalom, chers amis.